les gars, il fait beau, hein. On est bien là, on est trop bien là, avec les petites vagues et tout, le vent, la pluie, trop bien. Poisson, c'est gros. Ah, c'est gros poisson là. Les perches en Seine sont vraiment, vraiment bien présentes. Hein, c'est... Il y a du poisson. Le sudiste. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je suis accompagné de Tanguy. Et Tanguy est champion de France de cette saison 2022. Eh oui. Bah, félicitations déjà. Merci, merci, merci. Et c'est un honneur pour moi de pouvoir monter sur ton bateau et de passer une journée avec toi. Eh bien, écoute, on va essayer de pas faire mentir. Ouais. On va faire ce qu'on peut. La pêche, de pêcher, ouais. La pêche, c'est la pêche. Mais tu as été le meilleur en tout cas sur la saison 2022 au niveau France. Hein, c'est ouais. FFPS. Et la... FFPS, tout à fait. Voilà. Donc vous avez gagné en équipe. Alors c'est en équipe. Une victoire d'équipe. En FFPS bateau. Bateau. Voilà. Ouais. Et donc c'est aussi ce qu'on va faire aujourd'hui. On va pêcher en bateau. On va pêcher ici sur la Seine. Donc on est à proximité de Paris. On reste dans le nord. Il fait froid. Il y a de la pluie. Il y a du vent. Les conditions bien pourries. Alors là, on va mettre le bateau à l'eau et aujourd'hui, on va viser quoi? Des poissons en particulier ou bien ça dépend des secteurs Ouais, bah, écoute, on a des secteurs qui sont assez bien définis. On peut trouver cendre et perche un peu plus ou moins au même endroit, ouais. Sur des structures, sur des fosses ou autres. Et puis ensuite, pourquoi pas rentrer après pour aller chercher sur des autres spots vraiment bien aménagés pour le brochet. Ok. Donc on verra ce que. En fonction des résultats, on va s'adapter. C'est probablement comme ça que tu es champion de France. C'est parce que tu as su t'adapter en pêchant dans le sud. Pêchons dans le nord. Faut être bon partout. Bah allez, c'est parti, on vous amène sur l'eau. Donc spot numéro 1, donc on est en pleine Seine et on peut voir que ici la zone verte, c'est un trou plus profond. Et donc on va pêcher cette zone plus profonde en espérant que les poissons s'y trouvent. Poisson, je pense. Ah non, c'est peut-être... Non, c'est un poisson. Petit poisson, petite perche. Ouh, minuscule. On prend mes petits poissons. Je pêche avec des petits leurres. Et première petite perchette. Cool. C'est où le vivier? Premier spot de pêche. Bah, pas très fructueux, quelques petites perchettes qu'on a mis au vivier, qu'on va remettre à l'eau maintenant. N'est-ce pas, mon cher champion? Bah écoute, les blancs. C'est pas très grand, hein. On a mais les bon, petites perches, voilà. C'est pas bredouille, on a trois petites perches là. Allez, on les remet à l'eau gentiment, on va bouger de spot. Donc, on change de spot là maintenant? Ouais, on va aller voir un petit peu plus haut sur le secteur ce qui se passe. On va dans une zone un peu moins profonde alors? Ouais, moins profonde. Okay. Là on était sur un trou, donc on va aller sur une zone un petit peu moins profonde, voir si on trouve des poissons. Il y a quelques structures au fond, notamment des arbres, des branches. Okay. Donc on va voir si on trouve des... J'ai un petit coin sympa avec des jolies perches, donc on va aller voir. Ok, c'est parti. Allez. Changement de spot. Donc là, on est arrivé sur le spot numéro 2. Alors vous pouvez un peu voir la situation ici sur l'écosondeur. Nous avons 3,5 mètres de fond a priori. Et en fait, on a une structure, vous voyez ici, on la voit bien là et là. On est sur une structure et en fait, on pêche autour de la structure. Donc ça, ce que vous voyez là, c'est pas un poisson, hein. C'est la structure qui est là, on la voit mieux. Typiquement, et en réalité, ça donne ça. Nous avons une darse qui est là-bas derrière. Et on a ici les deux côtés de la darse. Et donc en fait la bonne position ici c'était ici, c'était pêcher sur la structure en sortie de darse à l'abri du courant principal qui passe sur la Seine et ça a plutôt bien donné. Ouais, j'ai un poisson avec en fait. Hein? J'ai un poisson. À la sortie quoi. T'as vu, je me suis décroché de la pierre et je l'ai pris, j'ai pris de la perche après direct quoi. Ouais, j'ai fait 47. Attends, je reteste la technique. J'ai testé, là j'ai repris la merde. Et maintenant je vais prendre une perche. C'est un poisson? Ouais. Ah ouais, c'est gros. Je pensais que t'étais tanké tellement que ça plie. Attends, j'étais deux. C'est un 100, non? Ça a pas l'air d'être un. Oh, bah ça.
propre. Là, il y a poisson. Mais surtout avec des conditions. Là, il y a poisson. Il y a client. Oh, il est lourd. Hein. Ah, il est lourd. Moi, je suis découvert. Hein. C'est ça que je veux. Moi. C'est 65. Bravo. 70. C'est le premier centre que je fais là-dessus. Ouais. Quel ventre. Joli poisson qui mange bien la cantine, celui-là. Ouais. Pas de chance pour lui, on a trouvé la cantine. Ah oui, pas gros. J'ai vu en direct la touche. Tu prends une pile? Non, ça va, merci. Belle perche. Ouais, il y a belle perche. Hein. Beau poisson. Et t'as vu, je sais pas si t'as vu la touche, elle l'a pris deux fois. Elle a, la première, elle a loupé, deuxième tirée, elle l'a repris. Alors j'ai probablement pas vu la première, moi j'ai vu la deuxième. Moi. Quoi, il y a un brochet qui est venu ouais, bateau. Mais en fait, il m'a fait. Tu sais, j'ai pas trop compris ce qui s'est passé, j'ai pas gazé. Non, mais j'ai franchement, j'ai. Non, ça a pas suivi ma tête, elle a pas suivi mon corps. Ah bah, il y a plus que ça qui manque, hein. Il manque un broc et on l'aura tout sorti au bateau. Ah non, il manquera le cibio aussi. Poisson. La petite perche de vin, j'ai trouvé le spot. Je suis pas dans le spot à marquer, je suis en sortie. Ouais. J'avais peur qu'avec des petits leurres, je touche pas trop de poissons, mais finalement. Finalement, ça pêche. Hein. Cool. Yes. C'est une zone à broc alors plutôt? Ouais, zone à broc là. Ok. En pêchant comme ça, gratter. Ok, donc ça c'est notre troisième spot de pêche alors ici. Troisième spot de pêche, ouais. Donc okay, improvisé finalement parce que la péniche rentrait, donc on a bougé de spot et donc on va pêcher tous ces poteaux là. Ça me semble chouette. Je vais continuer avec mon petit leurre finalement, j'ai pas de mauvais résultats. Alors spot numéro 3, une petite sortie de darse de nouveau sur laquelle il y a des piquets. On va lancer le long des piquets et on peut attraper de tout. Alors ici perche, cendre et brochet. Modeste. Trop quoi. Voilà. Écoute, on n'a pas fait le mauvais choix de descendre. Bah oui. Il y a une chance sur deux, mais le choix était plutôt bon. Voilà, c'est micro, chaque spot a été validé. Ah je me suis fait couper. Bah, bonjour monsieur le brochet. Bah là, attends, on va sortir une canne, j'en ai une casting. Ah non, je me suis fait couper parce que j'ai eu une petite tape, j'ai ferré et puis j'ai dit ah ben non, rien du tout. Puis après, ah bah en fait, j'ai plus de leurre quoi. Hein, je viens de me faire couper quoi. Non, j'ai perdu mon petit healer. Non. Ok. Poisson. Ah, ouais. Ah, c'est correct en plus. Ouais, c'est correct. Ah, les gars, c'est là, c'est 40-50 pour les couleurs. C'est pas 40-50, je pense pas. C'est plutôt une 30. J'ai une petite canne, hein, je suis en ultralight moi. Ah si, c'est une belle. Je veux bien l'épuisette parce que... Avec ma canne. Ouh. Ouais. Là, il y a un beau poisson. Ah, je suis content. Voilà, boum. Ah, elle est belle, hein. T'as plus d'eau, je crois. On va remettre, je vais le mettre dans l'eau. Je parle le belge. Bon, il est où mon petit leurre? Moi j'ai pas le choix, du coup je suis obligé de pêcher tout petit parce que j'ai l'anneau de mon autre canne
qui est fissuré. Du coup, je sais pas pêcher quand je jette, ça casse ma tresse instantanément. Du coup, là, je suis sur une ultra light. Elle fait combien cette canne? 1 à 7 grammes. Donc je suis limité à pêcher avec des petits leurres, mais bon. Ah, c'est joli là. Pas un poisson. Oh, tu veux les guillettes? Ça devrait aller, non? Bon, là, c'est plus productif ce spot-ci, hein. Là, on est arrivé, ça fait 5 minutes, il y a déjà 3 poissons au bateau. Là, il y a vos poissons. Ouais, ça sent le sang. Ah ouais, belle perche. Bon, voilà. Ah, là, il y a 45, ouais. Voilà, là on parle des grosses perches. Là il y a de la grosse perche, voilà, là. C'est ouais. Ça qu'on a ici. Non, 40. Ouais, c'est joli, belle perche, bien grasse et tout, propre. 40, ouais. Le sudiste. Spot numéro 2 et spot numéro 3. Bah validé, mon cher Tanguy. Bah écoute, on va pas se plaindre. Ah non, on va pas se plaindre là. On est content. Alors on a enchaîné pas mal de poissons, perche et un cendre. Perche, des belles et perches. Romain, il a fait monter un brochet au bateau, un petit brochet. Sur ce spot, finalement, il y avait les trois espèces de poissons qu'on pouvait cibler. On va vous montrer tout ça, on a mis tout ça dans le vivier. Comme ça, ça nous permet de vous les montrer un par un et puis surtout de pouvoir les mesurer tous ensemble et pas de perdre de temps, de les laisser dans l'eau pendant ce temps-là. C'est ce qu'on va faire maintenant. T'as pas ta petite épuisette là, de ce matin là? Tu la veux? Mais ça rentre plus hein, maintenant. T'es malade, regarde. Ouais, pour vous donner une idée de taille, c'est la même épuisette que ce matin. Bon, il y a des beaux poissons à la clé. Hein. Regardez ça. Quand je vous dis qu'il y a des beaux poissons, ça c'est une des plus petites, je crois. Joli poisson. Et celle-là, ça faisait combien? On avait mesuré ou pas? 41, non? 41, ouais. Alors quand on vous disait que ça avait plutôt bien donné, voilà un peu le résultat. Ici, il y a du poisson. Le spot était bon, hein? Merci Tanguy. Merci Tanguy. Avec plaisir, ouais. Les gars. On va remettre ça tranquillement à l'eau. Et puis on va aller faire un autre spot de pêche, c'est ça? On va aller pêcher autrement maintenant, là, on va aller pêcher un petit peu plus dans la ville. On va aller faire des piles de pont, etc. Donc, ah, sympa. Un peu en cherchant les poissons. Hop. Bah bien joué, hein. Merci. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On va pas arrêter. Hop. C'est gentil, là. Là, c'est gentil. Alors on va les remettre à la main, c'est elle plus propre. Ta petite épuisette, non? Et bien sûr. Je savais pas que c'était bon, les petites épuisettes comme ça, pour mettre tes perches de 40. Il n'y a plus personne dans la maison. Voilà. Yes. Alors, je précise quelque chose. Ça s'appelle des viviers, ces endroits où on met les poissons dans les bateaux. Ce sont des endroits oxygénés avec des pompes, etc. Donc, c'est des endroits vraiment faits pour mettre les poissons. Les mettre là-dedans n'est pas mauvais. C'est peut-être même... En tout cas, pour la pêche, c'est mieux parce que ça nous permet de pouvoir continuer à pêcher sur le spot. Et généralement, on le dit, quand on remet des persidés à l'eau, donc perche ou cendre, ça peut casser l'activité des poissons. Donc du coup ici c'est ce qu'on a fait, on les a mis dans le vivier, maintenant on les a toutes remises à l'eau parce qu'ici on va changer de spot et on va aller pêcher sur un autre spot plus en ville comme Tanguy l'expliquait. Donc t'es champion de France, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que t'es champion titre reconnu comme ça tout le temps ou bien c'est par année? C'est par année en fait, du coup c'est la FFPS, donc la Fédération Française de la Pêche Sportive. Ouais. Du coup on peut dire qu'on est champion de France avec mon binôme sur l'année 2022. Et puis bah, en fait le but c'est d'être le meilleur, de savoir pêcher partout. Et c'est partout en France, alors ça peut se jouer n'importe où? Bien sûr, c'est partout en fait. On a fait la première manche, c'était sur de la rivière sur le Lot. Okay. La deuxième manche c'était sur du Grand Lac à Guerre-les-Dents en Bretagne. Et donc bah, il faut être bon, il faut savoir pêcher du grand lac, il faut savoir pêcher de la rivière à gros débit, de la rivière qui est très large, il faut pêcher énormément, il faut aller à la reconnaissance, des informations, etc. Donc ça oblige en fait d'être bon partout. S'adapter à toutes les situations. Tout à fait. Et est-ce que tu as un petit secret à nous transmettre en tant que, champion comme ça? Est-ce que c'est le fait de s'adapter à toutes les situations, de changer de l'heure, etc. Ou bien tu as une technique secrète? Non, il faut s'adapter, il faut essayer, mais pour tout ça la en fait épuisette, c'est... La petite épuisette dans le vivier, ça change tout. Ah, voilà.
Je le savais. Je savais qu'il y avait des secrets. Mais non, mais après, pour être plus sérieux sur le petit secret, il n'y a pas de secret parce qu'il est, il est possible à tout le monde. C'est juste qu'il faut passer du temps sur l'eau pour pouvoir essayer. Chaque situation est différente. Voilà, et trouver quelle heure, à quel moment, à quel endroit, situation. Et est-ce que c'est des choses que tu expliques lors de tes guidages? Parce que tu proposes des guidages vu que tu es guide de pêche. Donc on peut te contacter via quoi? Via notre site internet, nos réseaux Paris sociaux. Paris Predator Fishing Bien sûr, Paris Predator Fishing, il y a un formulaire de contact. Et puis même sur les réseaux sociaux, sur Facebook et Instagram, où on est très présent. Okay. Et donc ouais, je propose des guidages de pêche sur le domaine, mais aussi sur le domaine public, au-delà de PPF, sur le domaine public, sur la Seine ou sur Lyon. On nous emmène dans un autre spot de fou en pleine ville maintenant. On va aller pêcher en pleine ville, donc on a la chance d'être sur un bief où il y a ville et endroit un petit peu plus wild. Donc on va aller s'amuser un petit peu sur des piles de pont en ville. Merci pour tout ça. Et avec plaisir. On enchaîne à l'attaque. Feu. Il y a bien plus de crasse ici que de l'autre côté en fait. Il y a bien quoi? Plus de crasse ici. Ouais. Je suis retanké dans le fond là. Ah c'est bon, je l'ai eu. C'est bon? Ouais. Oh putain. Ah, décroché, c'est bon. Attends, je vais refaire la branche suivante. Non. Tant que je suis sur le fond, autant prendre toutes les branches. Oh, oh la putain. Quoi? J'avais un putain de fiche. Ouais, coupé. Hein. Là, j'avais le lourd poisson. Ah oui? Quoi? Mais tu t'es fait couper ou casser? Gros broc coupé. Ouais, oh, aïe, aïe, aïe. Sur les échos, tu peux voir, quelque chose de balancé derrière les perches. Et... Eh, lourd, hein, le bordel, il m'a dit. Mais ça vaut la peine de pêcher le broc ici, hein, deux fois coupé. Putain. Ah, regarde, il y a quand même des beaux longs échos. Hein. Ouais. Deux fois coupé à la touche. Ah ouais. Pour une fois, là, t'as senti le poids, mais ouais, les deux autres, c'est coupé à la touche. Là. Passant. C'est tout petit. Enfin, je pense. Ça a l'air tout petit. C'est tout petit. Mais ça fait longtemps qu'il n'y avait pas une petite. Bon, on vient de passer au-dessus. En se baladant de pilastre en pilastre, on a vu qu'il y avait un banc de perche là et poisson instantané pour Tanguy. Une belle perche en plus. Ah ouais, c'est ça, si on se décale un petit peu, on pourrait mieux les pêcher. Bon, poisson. Ouais, elles sont vraiment sous. Elles sont vraiment. Moi, je suis obligé d'utiliser l'épuisette parce que j'ai une petite ligne. Ouais, c'est un banc de belles perches, hein. Prends en dessous. Ok. Quand tu vois la taille de mon leurre dans le poisson. Ouais, je. Toi aussi. Ah bah voilà. Regarde quand tu vois la taille du leurre. Tu te dis que c'est une belle perche, quoi. Une belle perche mouette. Ouais, une belle perche mouette. Hop là. Deux beaux poissons là. Ça fait trois en une minute. Alors les gars, faut pêcher où? Bah là, ici, au pied, quoi. Ouais. Là, je pense que c'est niqué. C'est peut-être... Ouais. Ah, dommage. Poisson. Oh, c'est plus joli, ça. Boum! Waouh! Poisson! C'est gros! Ah, c'est gros poisson là! Ah, là, il y a gros poisson! C'est probablement un brochet! Ouais, le brochet. Il est pas si gros que ça en fait, c'est juste que je suis en UL.
coupé. Oh, la putain, on s'est fait couper tellement de fois aujourd'hui. Quatre fois coupé. Aïe, 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 aïe. Mais bon, moi, c'est, j'ai des petites lignes aussi, je suis sur cette canoë ultra light. Ah, il s'est tourné, il a fait un méga rush et il me l'a coupé, là. Ah, ben bah, bon, j'ai fait un petit passage au curly, prends un curly. Bon, ben bah, je m'en remettrai un petit curly, là. En plus, c'est vraiment des curly type éperche, quoi, rien à voir avec le broc, quoi. Je vais mettre une TP... Ah non? Voilà. Là t'as pris la PC. On l'a attendu cette perche. Ah, on a calvé le brochet maintenant. Maintenant les perches peuvent revenir chasser. Allez. Yeah. On pêche comme ça, là, j'ai pris sur la fin, la fin de la parabole un peu, c'est ça. Ah ouais. Bah, moi je pense qu'on peut même encore reculer, hein. Parce que les perches elles sont là en fait. Donc elles si sont, on se met là-bas, on peut mieux caster comme ça. Bon, il est temps de sortir les poissons du vivier. Que des perches, mais une, deux, trois fois coupées. Donc on va sortir les poissons du vivier. Allez go. Et voilà, il y en a deux qui sont repartis à l'eau déjà. Et on vous en montre 6. Les perches en scène sont vraiment, vraiment bien présentes. Hein, c'est... Il y a du poisson. Ouais. Il y a du poisson papalier, il y a de la repro, il y en a des belles zones de repro dues à des dars. Des dars qui sont même préservées, donc ça fait plaisir, ça promet l'avenir. Allez, on va remettre ça à l'eau. Allez, let's go. Allez, hop. Tac. Ciao. Ciao. Allez, bien joué les gars. Pilastre de pont. Ça marche toujours. On vient encore de changer de spot parce que notre pêche en ville, qui se trouve pas très loin d'ici d'ailleurs, on était en plein face au vent et au courant, donc il y avait des vagues, etc. C'était compliqué d'y pêcher, mais c'était quand même productif. C'est-à-dire qu'on pêchait les pilastres de pont et en fait on est tombé par hasard en se balançant de pilastre en pilastre. On est tombé sur un banc de perche qu'on a vu à l'éco-sondeur. Résultat instantané, hein, Tanguy met son leurre dans l'eau et boum, perche instantanée. On fait les poissons qu'il y avait à faire. Tanguy s'est fait couper par et un brochet. Alors ici, encore un nouveau spot. L'avantage de ce spot là, c'est qu'il est à l'abri du vent, donc on va un peu prendre du bon temps là maintenant. On a 5 mètres de fond, on a une sortie de canal, là. On ne sait pas, on essaye. Bah, c'est peut-être la petite perchette là-dedans. Hein. Bah ouais, tu peux avoir un cendre. Hein. Tu peux avoir un cendre qui planque là-dedans. Hein. Ouais. Moi je crois qu'on a plus ou moins 20 poissons. Ah non, c'était productif. Hein. Ouais, c'est toutes des 35. Toutes des 35 quoi. Là, c'est trop beau quand même. J'essaie de caster là en dessous. Ça sent la corde à plein nez, mais bon. Ouais, j'y suis. Il faut que tu sortes encore une perche que tu as prise du vivier. Exact. Pour clôturer cette journée. Voilà, on a quitté le spot avec le pont où on avait fait de la perche et on avait touché des brochets mais sans pouvoir les sortir. On a fait encore une petite dérive ici le long des péniches en bordure de Seine. Comme ça, c'était sympa, beau à voir. Et un dernier petit poisson qui s'est fait sortir, une perche pour pas changer. Tadam ! En fait, on retiendra une chose, c'est que le champion de France, sa technique, c'est d'avoir une petite épuisette pour prendre les poissons dans son vivier. Elle est là. Elle est là, voilà. Je vous montre son secret. Allez, on va la remettre à l'eau tout de suite. Ouais. Hop. Eh bien, on vous dit à la prochaine pour une autre vidéo. Avec plaisir. On là, va essayer de se remettre une sortie. Ouais, encore une, très peut-être prochainement. Un peu plus brochet. Pourquoi pas, tu fais brochet. On va voir ce qui vient. Avec des bas de ligne acier. Et... Si on arrive à les faire, ce sera encore mieux. Merci pour la sortie. Et bah, avec plaisir. Avec plaisir. Et bah, à une prochaine, tout le monde. Allez, ciao. Ciao, ciao. Retour à la maison. On retourne chez Paris Predator Fishing parce que moi, je dors là. Et puis, je rentrerai en Belgique après. Ciao.